Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, merci de me rejoindre pour cette nouvelle vidéo Lego. Aujourd'hui c'est une courte vidéo puisqu'il s'agit d'un haul. On va unboxer ensemble les colis que j'ai reçus ce matin de chez Lego. Il s'agit bien évidemment de ma commande May the Force. Donc on va sans plus attendre passer sur le bureau, je vais changer la caméra d'angle. J'ai hyper hâte d'ouvrir ces colis, vous en doutez bien. Donc let's go quoi, c'est parti. Alors tout d'abord on va voir ce que j'ai réussi à me dénicher en allant faire mes courses au Leclerc la semaine dernière. J'ai réussi à obtenir un DO en brick build avec une petite ristourne. Donc je suis assez content. Parce que ce set je le trouve quand même assez mignon ce petit DO et visuellement il est vraiment sympa. J'adore le fait qu'ils aient mis un petit socle comme ça qui va nous rappeler la terre, le sable. J'ai pas regardé combien de pièces il avait, mais je pense que il va vite se construire celui-là. Hein. À mon avis, je vais vite le monter. Alors ensuite, on va continuer avec les commandes Lego May the Force. Et on va attaquer par le petit colis. Alors forcément, je ne pouvais pas ne pas me prendre le casque du pilote TIE Fighter. Ça aurait été vraiment dommage d'en avoir que 2 sur 3. Donc celui-là, il me tarde de le monter et d'exposer à côté du Stormtrooper et du Boba. Boba d'ailleurs que je n'ai toujours pas monté encore. Donc, oh là, que je casse pas le château. Alors ensuite, on a deux petits battle packs des Sith Troopers que je me suis pris pour deux raisons. La première, c'est pour pouvoir agrandir mon armée du premier ordre et faire régner l'ordre sur la galaxie. Puis bien évidemment la deuxième c'était pour pouvoir profiter du set promotionnel de la bataille de l'étoile de la mort que voici. Comme vous avez pu voir dans mes précédentes vidéos, j'ai réussi à acquérir la bataille de Hoth qui me manquait. Du coup je me retrouve avec les 3 sets promotionnels, les 3 petits dioramas et je suis vraiment content du coup de pouvoir avoir la collection complète. Hop, voilà, on met ça. Et ensuite, pièce maîtresse de cette commande, et vous vous doutez certainement de quoi il s'agit. Ça, ça dégage. Donc, bien évidemment, du A-Wing UCS. Donc il s'agit pour moi de mon premier set UCS Star Wars, j'en ai jamais eu avant. Et j'ai vraiment hâte de monter, de voir ce que ça fait, quelle expérience on a à monter un set de ce détail là, de ce niveau de finition là. Vraiment hâte de me faire mon avis sur cette gamme de produits Lego. Et comme j'étais éligible au niveau du montant, forcément j'ai eu donc une deuxième boîte du set promotionnel. Voilà pour ce qui en est de ma commande May the Force. Donc ouais, je me suis clairement fait plaisir et j'espère qu'ils me le rendront bien et que j'aurai plus de plaisir encore à les monter. Cette vidéo de déballage de colis est maintenant terminée, j'espère que ça vous aura fait plaisir de partager ça avec moi. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser un petit like, ça fait toujours plaisir. Et dites-moi également dans les commentaires si vous aussi vous avez fait des petites emplettes pour ce May the Force et ce que vous vous êtes offert. Je suis curieux de savoir ce que vous avez acheté aussi. Bien évidemment, si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à vous abonner à la chaîne et à activer les notifications pour être averti dès que je sors une nouvelle vidéo. D'ailleurs, en parlant de prochaines vidéos, vous avez certainement remarqué qu'il y a le château de Poudlard sur mon bureau. Je travaille activement dessus et je devrais être en mesure de faire une vidéo très rapidement pour vous présenter du coup cette partie du château. Et normalement, je devrais aussi vous sortir assez rapidement la revue du Sith TIE Fighter, un set que j'ai déjà depuis un petit moment. Donc voilà, ça a été beaucoup demandé, donc je m'occupe de le faire et ça doit sortir assez rapidement. Voilà, petite parenthèse sur les vidéos à venir terminées. Il ne reste plus qu'à vous dire à très vite pour une prochaine vidéo. Et que la force soit avec vous. Et si tu aimes mon contenu, je te mets à disposition des liens vers 2 de mes vidéos. N'hésite pas à aller voir, si ça se trouve, ça pourrait très bien te plaire.